Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce des dieux. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo motivation, ménage, cuisine et décoration. Pour les nouveaux, je m'appelle Joyce, je suis femme au foyer et maman de deux enfants. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager ma vie de femme au foyer et de mère. Voilà, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Vous serez également notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo si vous activez la cloche de notification. Alors on passe à la vidéo du jour. Je vous ai filmé une partie de la soirée du jeudi et une partie de la matinée du vendredi. En fait, j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais une journée très chargée, j'ai pas pu passer la routine normalement. C'était un peu perturbé parce que j'ai passé toute la journée hors de la maison, j'avais des rendez-vous, j'avais des courses, c'était un peu compliqué. Et là, il est 18h, c'est maintenant que je vais faire le dîner pour ma famille. Mais je tiens à signaler quand même que nous avons mangé quelque chose avant que je ne fasse les dîners, puisque je l'ai fait vraiment en retard. Nous avons mangé ce qu'il y avait au frigo. Et voilà, je vais faire la cuisine. Je vais également arranger la chambre des enfants, puisque je ne l'ai pas fait le matin. Tellement j'étais très chargée cette journée. J'ai laissé la chambre des enfants comme ça. C'était vraiment un désastre. C'est tellement sale. Je vais d'abord assaisonner la nourriture, laisser reposer dans la marinade, monter, aller faire la chambre des enfants et je vais descendre pour mettre la nourriture au four. J'ai fait quelque chose de trop rapide. Ensuite, je vais arranger le salon et tout et tout. Vous allez voir comment nous avons passé cette journée. C'était vraiment compliqué. Je touchais partout et voilà, j'ai tenu à partager ces moments avec vous pour que vous sachiez que les horaires perturbés, les soirées compliquées arrivent chez tout le monde et c'était vraiment le cas pour moi. Et voilà, je vais partager ces moments avec vous. C'est parti. Là, j'ai commencé par nettoyer mes cuisses de poulet. Je les avais déjà nettoyées avant de les mettre au frigo, mais j'ai tenu à nettoyer encore. Parfois, la peau jaune là, j'enlève vraiment tout ce qu'il y a comme saleté, jaunâtre, là, je rince correctement avant d'assaisonner. Voilà, je vous laisse dans les images. Je vais intervenir au besoin. Enjoy! Comme je venais de le dire, je vais mariner mes cuisses de poulet. Je vais laisser reposer, aller arranger la chambre des enfants et je reviendrai plus tard pour continuer avec la recette. J'ai fait les cuisses de poulet aux pommes de terre au four avec les légumes. Alors, pour l'assaisonnement de mes cuisses de poulet, je vais vous écrire à côté. Comme ça, vous savez tout ce que j'ai mis à l'intérieur comme marinade. Alors, j'ai terminé d'assaisonner les cuisses des poulets. Elles reposent dans la marinade. Je vais remettre ce que j'ai utilisé comme épices. Chaque chose à sa place. Ensuite, je vais rapidement monter pour m'occuper du désastre qui se trouve dans la chambre des petits. Et voilà, c'est ça ma vie. Il n'y a pas moyen de faire semblant. Si tu fais semblant, un jour,
c'est grave. Si tu fais semblant 2 jours, c'est plus grave. C'est pourquoi je fais de mon mieux être toujours forte, être debout pour que la maison soit propre. Alors, je vais pas faire les grands ménages ici. Je vais quand même ranger les habits, les lingeries que j'ai fait la matinée avant de sortir. Arranger les habits, ramasser les jouets, classer un peu, faire les lits, passer l'aspirateur, c'est tout, et descendre pour les dîners parce que je n'avais pas assez de temps. Alors c'est parti en image. Les enfants sont avec leur papa, mais à un moment donné, mon fils viendra pour me déranger. Je vais essayer un peu de travailler avec lui, ensuite je vais les remettre chez papa pour évoluer plus rapidement. Alors là, j'essaie de mon mieux à arranger, plier les habits un peu plus rapidement parce que si je laisse ça dans le panier, pas plié pendant longtemps, ça va se froisser. En tout cas, j'avais besoin de plier rapidement et le petit va vraiment me déranger. J'irai le déposer chez papa pour continuer. Terminé à faire les berceaux des enfants, je vais passer l'aspirateur. J'ai fait de mon mieux pour passer l'aspirateur un peu partout, en dessous du lit. Comme ils avaient coupé les livres, ils ont coupé les bouts de papier. Ils ont fait vraiment du désordre ici. J'ai tenu à passer l'aspirateur un peu partout. Je vais d'ailleurs enlever le petit tapis bleu qui est au milieu. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais chercher un autre tapis
pour ma chambre et ce qui est dans ma chambre viendra ici. Donc, je suis en train de chercher un autre tapis pour ma chambre et le petit tapis ici, je ne sais pas là où je vais les mettre. Peut-être je peux les donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Sinon, pour le tapis qui a les alphabets, j'aime beaucoup. Ma fille aime beaucoup, mon fils également, parce qu'il apprend aussi l'alphabet. Mais ma fille, elle aime beaucoup la lecture. Donc, elle lit sur les tapis ici à tout moment, les signes, l'alphabet. Donc, c'était vraiment une bonne idée de pouvoir acheter ce petit tapis avec les alphabets et les signes. En fait, j'avais eu ces petits tapis sur Amazon. Je crois pas plus de 30$. En tout cas, je pense que c'était 30$, pas plus. Pour cette soirée-là, c'était fini. En tout cas, j'ai pas passé le torchon, j'ai juste passé l'aspirateur. Il n'y avait pas moyen, j'avais énormément de choses à faire. Donc, la chambre est quand même propre, les enfants vont dormir dans un environnement sain. En fait, les habits aussi, j'ai arrangé. Ce que je pouvais pas mettre au centre, j'ai laissé dans les paniers, mais correctement plié. Leur chambre était quand même présentable, bien que j'ai pas torchonné. Donc, voici à quoi ressemble la petite chambre de mes enfants. J'ai aussi fait un tour aux toilettes pour voir si c'était sale. Mais comme ils n'y entrent pas seuls, simplement, seulement accompagnés, voilà, c'était pas sale. Il n'y avait pas du désordre ici. Leur douche, leur toilette était propre. Je n'ai rien fait ici. C'était déjà propre. Et je suis descendue à la cuisine pour continuer avec la préparation du dîner. Il y avait des assiettes sales dans les sinks que j'ai utilisé le soir quand on a mangé quelque chose à mon retour. En fait, je les ai lavées à la main. Je vais laver l'évier. Ensuite, je vais continuer avec la recette. Je déteste préparer dans une cuisine sale. Je n'ai pas d'excuses quant à cela. Donc, bien que j'étais en retard, mais il fallait que je prépare dans un environnement propre. Du coup, j'ai rincé les assiettes là rapidement à la main. Ensuite, on va passer à l'assaisonnement. Non, pas à l'assaisonnement. En fait, on va passer à la recette. Je vais vous montrer le plat que je vais faire au four. Voilà. We'll be right back.
Alors, pour y aller plus rapidement avec ma recette des pommes de terre aux cuisses de poulet avec légumes au four, j'ai commencé par mettre un peu d'huile dans les pommes de terre. Je vais saler et ajouter un peu de poivre noir. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes légumes. Premièrement, en bas dans mon plateau des gratins là, je vais mettre du persil, les oignons. Le persil, je mets en bas pour que ça brûle pas parce que ça brûle très rapidement. Je vais mettre du persil, les oignons, les poivres ou les poivrons rouges et jaunes. Je vais mettre aussi le spring onion, l'oignon nouveau. Ensuite, je viendrai mettre les pommes de terre. Après, je mettrai les cuisses de poulet au-dessus. Je vais appliquer un peu d'huile végétale en top. Et je vais passer le plateau au four. Je vais checker de temps en temps jusqu'à ce que ça va cuire. C'est tout ce que j'ai fait pour cette recette. C'était très rapide. Je n'avais pas le temps. Donc, il fallait faire quelque chose de rapide pour qu'on mange au moins avant 21h. Alors, cette recette, c'est vraiment quelque chose qui me sauve la vie quand j'ai pas beaucoup de temps à passer dans la cuisine. Donc, je mets tout ensemble, comme vous voyez là, et je dépose le plateau au four. C'est vrai, je vais vérifier de temps en temps, mais c'est pas vraiment beaucoup de travail. Alors, j'ai oublié de signaler que j'ai également mis les carottes dans mes légumes là. Donc, les oignons, les carottes, les poivrons. Et voilà, ça va me faire une très bonne soupe. En top, avant de passer au four, j'ai quand même mis un peu de lemon pepper, juste pour apporter un peu ces côtés citron dans la viande. C'est très bon. Alors avant de passer à autre chose, j'ai tenu quand même à diminuer la quantité des assiettes sales. Il y avait vraiment les planches de travail, tout ce que j'ai utilisé comme assiette pour l'assaisonnement. Alors je vais rapidement rincer tout ça, ensuite passer au salon. Je devais installer le nouveau tapis que j'ai acheté pour mon salon et arranger un peu.
J'ai quand même réussi à remettre de l'ordre dans la cuisine. Là, la nourriture est au four. Je vais profiter pour passer au salon, installer le tapis que j'ai acheté, arranger s'il y a à arranger, bien sûr. Les enfants sont descendus et puisqu'il y avait des choses au four, pour leur sécurité, je les ai installés dans les high chairs, je les ai bloqués là-bas. J'ai mis la télévision, ils étaient en train de regarder la télévision. Ça m'a permis d'y aller un peu plus rapidement et surtout comme il y avait le four à la cuisine, mon fils a l'habitude d'aller toucher un peu partout. Donc quand le four est allumé, je reste vraiment vigilante. Pour le salon, avant d'installer le tapis, j'ai tenu à passer quand même l'aspirateur. Le salon n'était pas sale, mais puisque je devais coller les trucs qui permettent de garder le tapis bien collé, il a fallu passer l'aspirateur, passer le torchon rapidement, ensuite passer à la procédure de l'installation du tapis. Et voici le tapis en question. La couleur m'a vraiment plu. J'ai pris le blanc hein, parce que je suis sur un projet. Je dois tout changer dans mon salon. Alors, j'ai commencé par le tapis. Ensuite, je vais changer les tables. Je vais changer les chaises. Voilà, je l'ai eu à At Home. J'ai pris aussi l'horloge. J'ai également pris ces deux plateaux-là en gold. En fait, j'ai beaucoup cherché ça. Quand je suis tombée sur ça hier, je ne pouvais pas louper. J'en ai pris deux. Le premier sera au salon. Le deuxième, je ne sais pas encore. C'était pas du tout cher. C'était 19,99$. Donc, l'équivalent de 20$. L'horloge également, c'était toujours 19,99$. Donc, 20$. Et le tapis était à 199,99$. Donc, 200$. Et la fleur également, c'est pas l'arbre. Le fake arbre ici, je l'ai eu sur Marketplace. En fait, j'ai remove le petit armoire qu'il y avait là au coin. Alors, il fallait trouver quelque chose à remplacer. Et j'ai remplacé par cet arbre juste pour remplir un peu le vide qui est dans le coin là. Voilà, je vais passer à l'installation de mon tapis. Alors ça, c'était vraiment une décision audacieuse, prendre un tapis blanc avec de petits enfants. Moi, je me dis que les enfants, on les éduque. Donc, c'est pas parce que j'ai les enfants que je dois mettre toujours des tapis sombres et tout. Les enfants, il y a moyen de les gérer, il y a moyen de les éduquer. Je pense que ça va aller, même quand je vais changer les chaises, quand je vais prendre les blancs ou les beiges. Je pense que ça va aller. Les enfants, on les éduque. Je saurai gérer ça et je pense que... Ah, mais la décision, elle est quand même audacieuse. Ça ira. Ce que je vous présente là, c'est le rug graper. C'est pour éviter que les tapis se soulèvent au coin. Vous voyez comment ça reste un peu soulevé au coin. Même pas, si ça fait pas ça, mes enfants à moi ont l'habitude d'entrer en dessous du tapis. Ils se couvrent les tapis comme une couverture. Alors ça va vraiment résoudre ce problème. J'ai eu ça à 7$. Mais c'était pas vraiment suffisant pour cet espace. Je vais mettre ce que je vais mettre aujourd'hui. Et quand je vais sortir pour aller à Home pour autre chose, je vais encore ajouter ça. Donc, ça sera vraiment tout en bas là. Ça va garder vraiment mon tapis en place.
En tout cas, c'était pas facile. Installer ce tapis toute seule, ça pesait, c'était grand. Il fallait bouger, déplacer les chaises, les reculer un peu plus, les remettre en place. Quand j'aurais fini, c'était pas du tout facile de faire seule. Et je n'avais pas envie de déranger mon mari parce qu'il était en train de travailler au-dessus. Donc, j'ai géré les enfants en train de travailler, en train de cuisiner. Ça, c'est ma vraie vie. La vie de maman, la vie de femme au foyer, la vie de mère, toujours au service des autres, même quand on est fatigué, voilà. C'est vraiment une mission très noble. Je vais placer l'horloge au mur, mais je suis en train déjà de réfléchir pour ces murs-là. Quand je vais changer mon salon, peut-être que je vais enlever tout ce qu'il y a là-bas. Je vais remplacer par des tableaux qui vont matcher avec la couleur de mes chaises et les accents que j'ai au salon. Voilà. Ces photos, je vais les mettre toujours quelque part dans ce salon, mais dans un autre coin, peut-être le coin à côté de la porte de ma chambre. En fait, je suis en train déjà de réfléchir, je m'imagine déjà le design de mon salon, mais je vais y aller petit à petit en tenant compte du budget, un à un, pas à pas, ça va aller. Pour mes chaises velours ici, je ne vais pas les vendre, je vais les garder. Nous allons peut-être transformer notre garage en deuxième salon. Si on ne transforme pas le garage en deuxième salon, nous allons utiliser une chambre au-dessus pour faire le salon des enfants parce que j'ai envie vraiment qu'ils restent au-dessus ou qu'ils aient un salon à part parce que ça ne va pas. Et quand j'ai terminé avec le salon, le repas était aussi prêt. Voici le résultat de mon plat. Ouh. Oh, voilà. Mon mari était encore occupé et moi, je n'avais pas très, très faim. J'ai décidé de servir d'abord les enfants. Ils mangent, ils montent avec moi, je les lave. Quand ils vont s'endormir, je vais descendre. Si mon mari a déjà terminé avec ce qu'il faisait, on va manger ensemble. Ensuite, on va voir la suite de la soirée. Là, j'ai réussi à faire dormir les enfants après un bain, bien sûr. J'ai prié pour les enfants, ils s'endorment déjà. Et mon chéri a terminé avec ce qu'il faisait. J'ai servi la nourriture, j'ai changé de bol parce qu'il s'agit de mon mari. Donc, je ne devais pas mettre le plat sale là, l'autre plateau sale qui était au four, amener ça encore à la table. J'ai changé parce qu'il s'agit de chéri. Si c'était moi-même, je n'allais pas être très rigoureuse, mais quand il s'agit de mon mari, je fais attention même à la présentation de la nourriture, que ça soit bien fait. En tout cas, de ces côtés-là, je ne joue pas. De ces côtés-là, je ne joke pas. Quand il s'agit de mon mari, je suis très attentionnée. Alors, on a mangé
et j'étais fatiguée après le repas. Je suis partie dormir. J'ai laissé la cuisine sale parce que je me sentais vraiment épuisée. J'avais passé une journée très difficile. J'étais vraiment occupée. J'ai fait des courses. J'avais les rendez-vous avec les enfants. Donc, c'était compliqué. Et comme mon corps dit non, j'obéis parce que la santé n'a pas de prix. Je suis partie dormir. J'ai laissé la cuisine sale. Et c'est le matin que j'ai fait l'effort de me réveiller avant les enfants pour finir tout ce que j'ai pas pu faire la soirée. Donc, pour vous dire que on se fatigue toutes, même si on a la volonté de garder la maison propre, il y a des moments où on give up. Tu sens vraiment que je n'en peux plus. Et moi, je force pas, en tout cas. Quand ça va pas, je laisse. Je me suis réveillée le jour suivant. Alors, je vais ouvrir la fenêtre de la cuisine, mais je vais quand même ouvrir les rideaux pour la lumière. Ensuite, je vais prendre soin de ma cuisine qui était vraiment sale. Je n'ai rien fait la nuit. J'ai laissé la cuisine comme ça. J'étais fatiguée et c'est normal. Tout ce dont j'avais besoin la nuit était juste prendre une douche très chaude, aller dormir. Donc, je n'ai rien fait, vraiment rien. Ma cuisine, elle est sale. Vous allez la découvrir dans sa version sale. Si vous me suivez depuis un temps, vous savez pourquoi j'ouvre plus la fenêtre de la cuisine que les autres fenêtres qui sont un peu plus basses. En fait, cette fenêtre, elle est plus safe parce qu'elle est haute. Et même si les enfants sont à côté, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'aurai pas à paniquer, voilà. Et puisque la cuisine, la salle à manger et le salon sont presque dans une même pièce ouverte, donc si j'ouvre une seule fenêtre, celle de la cuisine, c'est amplement suffisant pour aérer la pièce. J'ai commencé par vider le lave-vaisselle. Il y avait des assiettes propres, des casseroles et des cutting boards que j'avais lavé la soirée à la main. Donc, ça avait séché. J'ai déposé à côté, je vais les ranger et là, je vais rincer les assiettes sales que j'avais abandonnées la nuit. Je vais les mettre dans la machine à vaisselle. Ensuite, je vais passer au nettoyage des countertops. Je vais tout essuyer, le réchaud, le micro-ondes, le four. J'ai pas fait parce que mes enfants se sont réveillés malheureusement. Donc, je ferai le four au courant de la journée si j'ai le temps. Donc, j'ai pas fait le four. J'ai fait que le micro-ondes, les assiettes, les countertops et la cuisinière. Je vais essuyer un peu les poussières par-ci par-là. Je vais faire le sol et je vais faire le petit déjeuner pour mes enfants. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué le ménage le matin. Là, ce sont les plateaux des high chairs de mes enfants. En fait, ils utilisent ça comme table. Voilà. Je lave ça bien et je vais essuyer aussi leurs high chairs. Et puis, je vais les sécher au garage parce qu'il fallait que je nettoie le sol. Et ça faisait un peu l'embouteillage. Voilà. J'ai l'habitude de garder leurs chaises au garage et je le prends au besoin. Thank you.
J'ai essuyé les chaises de mes enfants. Alors, je vais remettre les plateaux en place et je vais amener les deux chaises au garage. Comme ça, ça va bien sécher là-bas. Surtout les plateaux que j'ai lavés à l'eau. Ça va sécher là-bas. Et voilà. J'ai terminé de nettoyer l'intérieur de mon évier. Je vais passer maintenant au countertop. Je vais essuyer mes countertops à l'aide du vinaigre blanc mélangé à l'eau, comme toujours. Et pendant ce temps, mes enfants continuaient à dormir. Mon bébé, tout comme ma fille, y dormait. Mais c'était déjà l'heure à laquelle ils ont l'habitude de se réveiller. Du coup, je commençais à m'inquiéter. J'ai accéléré un peu avec la vitesse de mon nettoyage. Il y avait des petites choses que je devais bien finir avant qu'ils se réveillent. Sinon, dès que mon bébé est debout, je ne pourrais pas le faire. Alors, j'ai tenu à courir un peu derrière les minutes avant qu'ils se réveillent. D'ailleurs, j'ai même évité de passer l'aspirateur. J'ai préféré balayer juste pour qu'il dorme encore un tout petit peu. Mais cela ne va pas marcher parce que messieurs va se réveiller très bientôt. Alors, quand j'ai terminé de tout essuyer, à part le micro-ondes, le réchaud et la cuisinière, en fait, j'ai tenu d'abord à passer la brosse parce que mon fils peut se réveiller à tout moment et s'il se réveille, ça sera compliqué de passer la brosse ou l'aspirateur parce qu'il est toujours à mes pieds, il me colle, il me suit de partout. C'est compliqué. Quand on est maman, surtout des petits-enfants, on fait tout sur calcul. Et moi, la bonne idée était déjà de passer la brosse avant que lui ne se réveille. Ma fille, quand il n'y a pas de bruit, elle peut dormir jusqu'à 8h30, voire même 9h, ça dépend de l'heure à laquelle elle est partie au lit.
Donc, elle continue à dormir. Elle dort beaucoup. Alors, j'ai sorti, je vais déplacer mon aspirateur que j'avais sorti dans l'idée de l'utiliser. J'ai pas pu l'utiliser parce que ça a fait un peu plus de bruit. Je vais carrément passer la brosse. D'ailleurs, cette brosse-là ne me plaît pas beaucoup. Je l'avais achetée à Dollar Tree et c'est un peu court. C'est court. Moi, je suis géante. Quand je balaye avec, j'ai comme tendance à courber un peu mon dos et ça me fait mal. Donc, je suis à la recherche d'une autre brosse. Une amie m'a dit qu'il y a des très longues brosses à Lowe's, mais je suis pas encore partie. En tout cas, j'aimerais y aller et prendre quelque chose de plus long selon ma taille. Comme ça, j'ai pas à me faire mal au dos chaque fois qu'il faut que je passe le balai. Et là, j'étais pieds nus. Chez moi, c'est déjà le printemps. Il ne fait plus froid. Donc, je peux marcher pieds nus dans la maison, étant vraiment à l'aise. Mais pendant l'hiver, c'est très difficile de marcher pieds nus. Du coup, quand il fait beau, je profite pour laisser mes pieds un peu libres. Je me promène, je monte, je descends partout dans la maison pieds nus. Je sais pas, est-ce que vous avez aussi l'habitude de rester parfois pieds nus? Moi, ça me plaît parce que les chaussettes, à tout moment, moi, vraiment, ça ne me plaît pas. Je mets les chaussettes dans la maison quand je n'ai pas de choix. Quand il fait vraiment froid, je sens que non, ça va pas, il faut les chaussettes. Mais quand il fait beau, je suis pieds nus et soit j'ai les sandales, j'aime beaucoup les sandales, les babouches, je me sens bien. Le bol que je sors du micro-ondes contient le jus de citron et le vinaigre blanc. En fait, j'ai chauffé le jus de citron mélangé au vinaigre blanc pendant 3 minutes au micro-ondes. Comme ça, la vapeur là me permettra de nettoyer facilement. J'ai appris cette astuce sur YouTube, je sais plus chez qui, mais ça marche super bien parce que quand le vinaigre est en train de bouillir dans les micro-ondes avec le citron, ça s'évaporise. Du coup, quand tu passes juste la serviette microfiber, ça nettoie tout et ça reste vraiment propre et ça sent également bon. Quand j'étais en train de faire le micro-ondes, mon bébé était déjà à mes pieds. Il s'est réveillé et du coup, je dois faire un peu rapidement pour leur faire le petit déjeuner. J'ai pris l'eau de citron et du vinaigre blanc que j'avais mis au micro-ondes. J'ai mis ça dans le trou de mon sink, et je vais faire suivre quelques gouttes d'huile essentielle juste pour parfumer la maison. Ça laisse un bon parfum. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça. We'll be right back.
Et quand mon bébé vient de se réveiller, donc la vraie journée, la vraie là vient de commencer. Vous voyez, je suis en train de passer les torchons, mais j'étais obligée de mettre le seau au-dessus encore sur les countertops que j'avais déjà essuyé parce que c'est compliqué. Si je laisse ça en bas à sa disposition, il va renverser l'eau là qui est à l'intérieur. Donc, j'ai carrément déposé ça au-dessus. Quand je vais finir les torchonner, je passerai encore la serviette pour la dernière fois. Ouf, c'est ça ma vie, hein. Voilà, je suis déjà habituée et c'est pour un temps, ça passera. Il était toujours à mes côtés, il était en train de me tenir dans la jupe, il a pris un autre torchon, il s'est promené avec dans la maison. C'est comme ça que la vie se passe chez nous. Eh, en tout cas, quand j'ai torchonné, j'ai remarqué une tache au mur. Et moi, je sais déjà faire la peinture, donc des petits trucs comme ça, je répare moi-même. Je suis partie prendre ma peinture et les rollers. Je vais juste passer sur la saleté là, sur la tache là. Je vais couvrir ça complètement. La peinture de ma maison n'est pas gloss, c'est flat. Donc, c'est pas huileux. C'est pas huileux. Donc, quand il y a des taches, vous ne pouvez pas nettoyer à l'eau. Il faut carrément passer une autre couche de peinture. C'est comme ça que moi je fais. Je sais pas si vous avez aussi des peintures flats, comment vous arrangez les taches, vous nettoyez comment. Moi je fais carrément passer un peu de peinture en top et puis la tache disparaît. Je les fais toujours, mes murs sont propres parce que j'ai appris à arranger des petites choses moi-même. Voilà, je n'ai pas nécessairement à appeler mon mari, chérie, la peinture et tout. Je fais beaucoup des choses. Et pour blaguer dans la maison, souvent on dit, je lui dis, je vais faire ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, je suis la fille d'un technicien. Voilà, mon père était technicien. Alors moi, chaque fois que je répare des choses, j'ai dit à mon chéri, laisse tomber. Moi, mon père était technicien, donc je suis la fille d'un technicien. Je vais réparer ça. Je répare beaucoup des choses dans la maison. En tout cas, de ces côtés-là, je suis top. J'ai tout terminé, voilà, j'ai parfumé la maison, mais j'ai tenu à faire le petit déjeuner pour les enfants parce que ma fille va se réveiller bientôt. Et le petit, pour pouvoir le gérer, je lui ai donné le snack, je lui ai donné la tablette et je l'ai laissé au-dessus. Comme il est avec sa tablette, il est assez calme et moi je profite pour faire le petit déjeuner. J'ai fait l'omelette, mais vraiment trop cheesy. Moi je suis vraiment cheesy, j'aime beaucoup les fromages. J'ai mis les fromages au-dessus de l'omelette, j'ai mis à l'intérieur du pain pour les enfants et pour moi-même. J'ai pas vraiment mangé parce que je n'aime pas manger le matin. Je suis pas habituée à vraiment beaucoup manger le matin. Je sais pas pourquoi. Et voilà. Après le petit déjeuner des enfants, je vais vous donner le tour de la maison, le nouveau tapis, la nouvelle décoration de la table. C'est juste magnifique. Mais je pense que les chaises n'est match pas correctement, c'est dans le projet, nous allons changer ça, mais c'est quand même plus joli qu'avant. Quand j'avais le petit tapis et quand j'ai le tapis qui est un peu plus grand, je pense que c'est mieux comme ça. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi vos pouces bleus, les pouces vers le haut, laissez-moi vos jolis commentaires comme d'habitude, ça m'encourage beaucoup, ça me motive à filmer encore plus des vidéos et à poster. Je vais vous retrouver dans ma prochaine. Partagez, invitez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne parce qu'ici, vous n'allez pas vous ennuyer. Je poste des vidéos plusieurs fois par semaine. En tout cas, pas moins de 3 vidéos la semaine. On est vraiment busy par ici. Je remercie infiniment tout le monde qui me soutient avec des messages d'encouragement. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je vous fais beaucoup de gros bisous. Vous êtes des amours. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. Bye bye et à la prochaine.